Départ de la destrier junior cup course de haie sur la distance de 2100 mètres avec Rapido Dubois qui s'est tout de suite emparé du commandement franchissant le premier obstacle en tête alors que Bourgogne-Sassard varie bien, bien là également. On est en troisième position avec la Kazakh Sayed du numéro 5, Ina de Doras qui va tenter de venir. On est là à l'arrière-garde avec Ishebachev. Actuellement, les concurrents à bord de l'autre tour n'ont pas de changement de notable en tête. Rapido Dubois commande le peloton avec un très léger avantage. On vient en seconde position avec Divine Dumen qui n'est pas loin du tout. On va venir également avec Ishebachev juste devant Ina de Doras qui va tenter de venir progresser. Les concurrents vont passer devant les tribunes. Pas de changement de notable en tête. Ina de Doras maintenant qui est venu prendre l'avantage. Rapido Dubois, Ishebachev est plus ce côté corde juste devant Divine Dumen qui est là également. Alors qu'on vient également avec à l'arrière-garde pour l'instant, eh bien, la Kazakh, le Brook Langstam, Varenya et Jalonguier, les concurrents qui vont aborder maintenant la ligne opposée. Ishebachev qui est venu prendre l'avantage sur le Saint-Axière à son côté de corps. Mais Divine Dumen est bien calé dans son dos en seconde position. Rapido Dubois et troisième juste devant Ina de Doras qui n'est pas loin du tout. Alors qu'on vient avec Brook Langstam, Varenya et qu'on vient également avec Corielton Freyance qui est en avant-dernière position. Les concurrents abordent le tournant avec Ishebachev qui emmène la peloton et ceci maintenant depuis la mi-course avec Divine Dumen qui vient à son extérieur, Ina de Doras qui n'est pas loin du tout, avec Rapido Dubois qui va tenter de venir devant Royalton, présence et Brook Langstam, Varenya. Les concurrents passent une nouvelle fois devant le public avec maintenant Divine Dumen qui met la pression au leader et qui vient prendre l'avantage alors qu'on vient maintenant en seconde position avec Ishebachev qui est là. On est en troisième position avec Ina de Doras, on est quatrième maintenant avec Rapido Dubois juste devant Royalton, prudence. On ferme toujours la marche du peloton et on attend avec Brook Langstam, Varenya et Jacques avec Covelier, les concurrents avant la ligne opposée. Pas de changement notamment. On a légèrement repris l'allure actuellement avec Ishebachev qui a l'avantage avec le Divine Dumen qui vient en seconde position. On est troisième avec Ina de Doras, on est quatrième avec Rapido Dubois, on est un petit peu plus loin avec Corielton Prudence en avant-dernière position. On ferme toujours la marche de ce peloton avec Brook Langstam, Varenya, les concurrents avant de le tournant. Et pas de changement en tête avec Ishebachev qui a l'avantage avec en seconde position. On va tenter de venir l'inquiéter maintenant avec Divine Dumen qui est là juste devant Ina de Doras, Rapido Dubois et plus loin Royalton Prudence a chuté. Et puis on vient également avec Brook Langstam, Varenya, les concurrents qui passent devant les tribunes. On peut les encourager. Il va leur rester un tour de piste à parcourir avec maintenant Ishebachev qui est revenu prendre l'avantage côté corps Kazakh de Dermaillé avec Divine Dumen, Charles Clayeux qui vient à l'extérieur avec Ina de Doras qui est troisième. Ces trois concurrents ont fait le trou sur le reste du peloton car à 5 ou 6 longueurs on retrouve Rapido Dubois et on est à distance actuellement avec Brook Langstam, Varenya qui va être arrêté. Les concurrents sont dans la ligne opposée. On durcit l'épreuve avec Charles Clayeux et Divine Dumen qui prennent l'avantage, qui reprennent l'avantage. Ishebachev qui est en deuxième position, Ina de Doras est en troisième position. À distance, il semble marquer le pas actuellement avec également Rapido Dubois et Brook Langstam, Varenya qui est à distance. Les concurrents sont à dans ce tour en finale. Et ça va toujours bien en tête pour Divine Dumen qui a l'avantage avec Charles Clayeux et qui débouche dans la phase finale avec Ishebachev. Une lutte à deux pour la victoire maintenant. Il va rester une main à franchir avec toujours Divine Dumen qui a l'avantage. Et qui va de plus belle, Divine Dumen toujours du poteau va s'imposer. Charles Clayeux sur cette terre ici, toute joie au passage du poteau.